Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo diagnostic et réparation de vélo électrique. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a un Fat Bike Engwe Engine Pro. Donc, un vélo puissant, 750 watts, qui roule avec une batterie de 48 volts, logée donc à l'intérieur. Et notre vélo ne s'allume pas, ne fonctionne pas. Et l'objectif de la vidéo, ça va être de le diagnostiquer et bien sûr de le réparer pour le rendre voilà, complètement opérationnel à nouveau. Pour ceux qui découvrent la chaîne, donc Maximove, c'est une chaîne d'entraide basée sur la réparation, l'apprentissage, la compréhension de tous les engins électriques finalement, comme les vélos, les draisiennes, les trottinettes électriques et même les scooters. Voilà. J'essaye d'aborder plein de sujets. Des notions d'électronique et puis la réparation de tout type de problèmes que vous pourriez rencontrer. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour, je l'espère, apprendre sur pas mal de sujets. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça soutient la chaîne, c'est très important. Ceci étant dit, eh bien nous allons pouvoir commencer le diagnostic. Alors déjà pour vous montrer, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, c'est déjà enclenché. Enclencher le contact ici. Donc on a l'écran et comme vous pouvez voir, donc pas rien ne se passe. Voilà, le vélo ne s'allume pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors il faut toujours partir de la batterie. La batterie, c'est le cœur de notre vélo électrique. C'est de là d'où part l'énergie. Donc quand ça s'allume pas, il faut suivre l'énergie. Il faut donc partir de la batterie. Donc on va sortir la batterie et on va l'analyser. Si tant est qu'on trouve que la batterie est bonne, eh bien ça veut dire que le problème va venir d'ailleurs, notamment donc du contrôleur que l'on va trouver là-dedans, qui est le boîtier qui fait l'interface entre la partie batterie, donc qui récupère l'énergie de la batterie et qui va le redistribuer d'une part au moteur, mais également qui va venir alimenter notre écran. Et voilà, si la batterie est bonne, eh bien ça pourrait, pourquoi pas dire que notre contrôleur est défectueux potentiellement, qu'il n'envoie pas d'énergie à l'écran qui, donc celui-ci, est d'ailleurs au tableau de bord ici, donc qui ne, le vélo ne, forcément ne pourra pas s'allumer. Et si jamais le contrôleur est bon et que la tension remonte bien jusqu'à notre bouton d'allumage et jusqu'à l'écran, eh bien ça veut dire que c'est notre système de bord, notamment le bouton d'allumage, qui pourrait être défectueux. Mais voilà, on va commencer par faire les choses dans l'ordre. Généralement, je dirais sur la majorité des cas, peut-être 80%, ça part d'un souci de batterie, notamment si le vélo n'a pas été utilisé pendant un moment. Bon, bref, sortons la batterie du cadre et voyons ce qu'il en est. Voilà, donc j'ai pu extraire la batterie du cadre, donc qui se trouve juste ici, donc nous allons l'analyser. Avant de commencer ça, j'en profite pour dire que j'ai une page Instagram, Maximove. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu le contenu que j'y publie. Si vous avez besoin de me contacter d'ailleurs pour tout type de sujet, bon bien sûr il y a la section commentaires, mais il y a aussi les messages privés d'Instagram. Voilà, c'est très pratique, notamment si vous avez des réparations de batterie à faire. Je peux tout à fait le faire pour vous, je l'ai fait pour tous ceux qui me le demandaient. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez un souci de batterie notamment. Eh bien, me contactez-moi, contactez-moi, voilà, via Instagram et vous pouvez donc m'envoyer la batterie. Ceci donc étant dit, nous allons regarder ce que nous dit la batterie. Bon, déjà, on va regarder un peu l'étiquette. Donc, c'est une batterie 48 volts, 48 volts, donc tension nominale de la batterie. Quand elle est pleinement chargée, 54,6, c'est marqué ici. Et quand elle est déchargée, normalement, on doit tourner autour de 42. Voilà, donc c'est du 12,8 ampères-heure de capacité. Voilà pour les données importantes de la batterie. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est prendre la tension à la sortie de la batterie. Donc, au niveau des deux côtés des cosses que vous voyez juste là. Évidemment, pour cela, nous allons allumer la batterie parce que, en fait, la serrure finalement de la batterie sert de contacteur, d'interrupteur. Donc il faut enclencher la serrure pour que la batterie s'allume et puisse fonctionner. Alors l'interrupteur donc est sur on. J'ai mis les broches de mon multimètre et qu'est-ce qu'on y mesure? 14 volts. 14 volts, on est donc très loin
des 48 volts nominaux donc de la batterie. Ce qui expliquerait évidemment pourquoi le vélo ne s'allume pas. Si ça n'était pas le cas, si par exemple vous trouviez une tension au-dessus de 42 volts, eh bien ça veut dire qu'il faut aller chercher le problème ailleurs. Dans ce cas, le contrôleur se démonte en venant dévisser les vis qui sont là. Ça permet en fait de sortir le cache et derrière vous allez trouver le contrôleur. Donc c'est un boîtier gris sur lequel voilà, on a un certain nombre de fils et notamment une broche qui renvoie la tension vers donc l'écran là-haut. Et en fait, c'est sur cette broche qu'il va falloir dans ce cas-là mesurer, voir si on retrouve bien la tension de la batterie de cette manière-là, savoir si le contrôleur vient bien alimenter l'écran. Si le contrôleur vient bien alimenter l'écran, alors c'est que le problème vient de là-haut. Et si le contrôleur ne renvoie pas la tension là-haut, c'est que le problème vient du contrôleur. Donc ça, je vous invite bien sûr à aller voir sur les autres vidéos que j'ai publiées, puisque c'est le genre de cas que j'ai rencontré et que j'ai montré donc en vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça vous aidera à diagnostiquer le problème si jamais voilà le problème vient pas de la batterie. Dans notre cas, on va venir ouvrir la batterie, donc je vais l'amener à l'établi et puis on va venir analyser tout ça. Alors pour ouvrir la batterie, nous allons dévisser les vis qui sont à cet endroit-là et également ici afin de pouvoir sortir du coup tout le chapeau de la batterie. Voilà, la batterie est ouverte. Donc voilà, on peut voir ce qu'il s'y passe à l'intérieur. Donc on va retrouver donc notre Neiman, notre interrupteur à clé qui prend finalement la majorité de la place. Notre port de charge de l'autre côté, voilà, ici. Alors d'ailleurs, comme vous pouvez voir sur le port de charge, je pense que le problème vient de là. Il a été endommagé. Il y a eu un court-circuit ou un arc électrique qui a été fait visiblement vu la couleur du port de charge. Donc ça serait possible que le problème lié à la batterie soit venu de là. Voilà, on va analyser ça. Mais je pense que voilà, le port de charge, il faudra le remplacer pour en mettre un propre, puisque là, il me paraît bien endommagé. Bref, ceci étant dit, nous allons donc sortir la batterie de la coque. La batterie est retirée. Là, je viens de faire une petite incision pour pouvoir ouvrir donc l'enveloppe de la batterie et accéder en fait à toute la partie BMS et cellules et pouvoir donc analyser tout ça. Je vais finir donc de retirer l'enveloppe pour vous montrer donc ce qu'il se passe à l'intérieur. Voilà, donc la batterie est ouverte. Elle est emballée dans un isolant vert, voilà, que j'ai simplement retiré, ouvert. Donc on retrouve ici notre BMS. Pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est une carte électronique qui vient manager donc toutes les cellules qu'on vient là, en charge et en décharge. Donc c'est une carte qui vérifie en temps réel donc l'équilibre des cellules. Et par équilibre, j'entends que toutes les cellules soient à même tension permanence, qui n'est pas une cellule. En effet, s'il y a par exemple une des cellules défectueuses qui meurt ou même plusieurs cellules, eh bien le BMS va le détecter et va se mettre en sécurité. Voilà, donc il vérifie ça, il vient charger lorsque vous branchez le chargeur à la batterie. Et donc il vient, c'est ce BMS-là qui va venir charger toutes les cellules et qui surveille du coup la décharge, qui aussi protège les cellules, donc en limitant le courant de décharge pour éviter voilà, que ça surexploite les cellules et que ça les endommage. Bref, c'est un élément donc très important pour la batterie. Et donc c'est ce BMS-là qui, en fonction de la clé de contact, il y a un petit interrupteur, vient couper finalement la tension en sortie et ne s'allume du coup que lorsqu'on met la clé. Donc maintenant, ce que l'on va faire, première chose, parce que bon, potentiellement, soit on a des cellules qui sont défectueuses, ce qui justifierait pourquoi le BMS ne sort que 17 volts, soit c'est le BMS en lui-même qui est défectueux. Donc ça, on va le savoir en prenant les mesures des tensions de chacun de nos éléments. Alors il faut savoir que c'est une batterie 48 volts, donc 48 volts dit 13S, 13 éléments en série. Chacun des 13 éléments est constitué d'un certain nombre de cellules. Donc là, je ne le sais pas encore, mais en même temps, on peut le deviner. On est sur du 12,8 ampères-heure et on a globalement 4 cellules, de ce que je vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, voilà, donc en fait, voilà, chaque élément est constitué de 4 cellules qui sont en parallèle. 4 cellules, donc qui seront d'une capacité de visiblement 3 x 4, 12, 3,2, 3,2
ampères-heure chacune, ce qui donne un total donc de 3,2 fois 4, 12,8 ampères-heure. Voilà. Donc nous allons analyser la tension de nos 13 éléments constitués chacun de 4 cellules, et on se retrouve donc à ce moment-là. Alors, soit vous utilisez un multimètre pour vous mettre aux bornes de chacun de nos éléments et prendre ainsi les tensions, mais moi j'ai un super outil qui m'affiche, lorsque je me branche directement sur la fiche d'équilibrage qui est reliée donc au BMS, qui m'affiche directement les tensions de chacun des éléments. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai tous mes éléments qui sont chargés à 4,2 volts, sauf mon sixième qui est à 0,5, donc lui il est mort, le septième carrément absent, donc là le BMS capte aucune tension, il va falloir qu'on regarde ça. Le huitième il est mort, 0,6. Il est mort. 2,9, le 9e. Alors, il est trop bas en tension. Il est peut-être pas mort. Il faut qu'on analyse. Voir s'il est récupérable. Voilà, je vais mesurer en fait la résistance interne de l'élément. Résistance interne, c'est une résistance qui augmente au fur et à mesure de l'âge de l'élément. Et je vais comparer cette résistance aux autres pour savoir si c'est un élément qui est plus fatigué que les autres. Visiblement, il est plus bas que les autres en tension. Alors soit voilà, c'est juste que il s'est déchargé plus vite que les autres, parce que notamment il y a une autodécharge dans les éléments quand vous n'utilisez pas la batterie. Voilà, donc je vais analyser ça, la résistance interne. Donc petit point de vigilance sur le neuvième élément. Dans tous les cas, il va falloir faire un gros rééquilibrage. Une fois qu'on aura donc remplacé les éléments qui sont défectueux et potentiellement les éléments qui peuvent être plus faibles, eh bien il va falloir rééquilibrer pour tout remettre à même tension. Le dixième, donc pareil, il est plus bas que les autres. Un peu comme le 9e. Donc 9e et 10e, donc ça on va faire un petit contrôle. Donc au moins il y a le 6e et le 8e à remplacer. Le 7e, il faut comprendre pourquoi on n'a pas de tension. Soit c'est parce qu'on a un fil d'équilibrage qui est déconnecté quelque part. Et 9e, 10e, eh bien on va vérifier si nos éléments sont bons en l'état. Et dans ce cas-là, il faudra juste les rééquilibrer. Ou au contraire, si on détecte une faiblesse, eh bien il faudra aussi les remplacer. Alors voilà, j'ai identifié mes 5 éléments litigieux. Donc c'est pas évident parce que la batterie elle est construite de façon assez spéciale. Donc on a un bloc de 4 cellules là, deux au-dessus, deux en dessous. Donc notre sixième élément qui renvoie vers le septième, puis vers le huitième, notre neuvième qui est là, et puis notre dixième qui est ici. Voilà, on peut céder aussi des fils d'équilibrage et voir lesquels arrivent pour nous aider un petit peu à identifier tout ça. Du coup, sixième, septième, huitième. Là, pas le choix, va falloir remplacer. 9e, 10e, j'ai mesuré donc la résistance interne grâce à un petit outil qui est là. Et on est pas mal. Bon, à une main, ça va être compliqué. Mais en gros, j'ai mesuré donc voilà la résistance interne de nos deux blocs. On est sur du 13 milliohms. Ce qui est la même chose par rapport au bloc sain. Donc, c'est bonne nouvelle. Ça veut dire que nos blocs sont encore sains malgré le fait qu'ils soient. On ne sait pas pourquoi descendu en tension. Donc je vais tenter de les rééquilibrer et je vais mesurer la capacité ingérée par ces éléments pour voir voilà, si la capacité est également bonne, si la capacité est bonne et en plus de la résistance interne bonne. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que mes deux éléments sont bons et qu'on va pouvoir les garder. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc je vais rééquilibrer ces deux éléments. Je vais venir préparer des cellules pour remplacer donc nos trois éléments 6, 7, 8. Et pour ça, je vais utiliser donc des cellules de capacité identique, réelle identique. Donc c'est des cellules de 3200 mAh. Je vais mesurer la capacité d'une cellule. Je vais prendre des échantillons sur la batterie pour pouvoir trouver donc des cellules de capacité identique et de résistance interne d'ailleurs identique pour qu'on soit sur le même vieillissement dans la batterie et que nos nouvelles cellules s'intègrent bien. Je vais pas mettre juste des nouvelles cellules parce que là je viendrais créer des éléments forts et ça créerait un déséquilibre dans la batterie qui s'accentuerait et bref, la batterie retomberait en panne plus tard. Donc voilà, je vais trouver les bonnes cellules qu'il faut et je vais préparer mes éléments et on se retrouve un peu plus tard. Voilà, j'ai extrait mes blocs 6, 7 et 8 du reste du pack. Donc on va reconstituer un nouveau bloc 6, un nouveau bloc 7 et un nouveau bloc 8 avec des éléments Panasonic et Samsung que j'ai mesurés en capacité et en résistance interne et qui vont pouvoir, en étant assemblés, s'intégrer parfaitement dans ce pack sans créer voilà, de déséquilibre. Donc je les ai mis à bonne tension, ils sont tous à la même tension pour pouvoir être assemblés ensemble.
Et de toute façon, derrière, après, je ferai un rééquilibrage global du pack. Mais très important, quand on associe des cellules ensemble, on fait en sorte que toutes ces cellules soient évidemment à même tension. Donc, je vais reconstituer notre morceau 6, 7, 8 avec mes nouvelles cellules et on se retrouve juste après. Ça y est, mon nouveau bloc 6, 7, 8 est prêt, comme vous pouvez voir. Voilà, tous les assemblages ont été faits des deux côtés. Donc là, j'ai mis les isolants entre les éléments, la platine isolante au milieu. Voilà, donc là, j'ai déjà mis aussi les petites pattes pour les fils d'équilibrage, voilà, aux trois endroits où je viendrai du coup raccorder les fils que nous avons ici, les trois fils. Et j'ai laissé de quoi venir raccorder notre sixième élément au cinquième qui est là, et notre huitième élément au neuvième à cet endroit-là. Voilà. Donc j'ai plus qu'à venir insérer cet élément, venir donc souder nos deux pattes là-dessus. Les deux pattes qui sont ici, on va les souder à cet endroit-là. Voilà, et ensuite on viendra souder du coup les fils d'équilibrage sur nos pattes d'équilibrage. On se retrouve à ce moment-là. Ça y est, mes trois éléments sont en place, intégrés, soudés, les fils d'équilibrage raccordés au bon endroit. Voilà, tous les fils, tout est bon, tout est bien. Je suis donc en train maintenant de mesurer les tensions. Et donc, comme vous pouvez voir, 6, 7, 8, eh bien, on retrouve. Voilà les trois éléments que j'ai intégrés, qui ont donc ont retrouvé une tension normale. Voilà, je vais les faire remonter légèrement pour qu'ils atterrissent au niveau des autres, à 4,2. Et voilà, maintenant il ne reste plus que le 9 et le 10 que je vais rééquilibrer, faire remonter et mesurer donc la capacité réelle pour voilà, être sûr qu'ils soient viables dans le temps. Je pense que oui, mais on va le vérifier. Donc je vous retrouve une fois que ces deux éléments sont remontés. Ça y est, donc j'ai fait faire un cycle au 9e et 10e élément, et très bon, ils absorbent bien les 13 ampères-heure. Donc on est bon, parfait, ils vont pouvoir continuer à servir. Voilà, donc on est sur un équilibre plutôt bon. Voilà, je ferai un petit. Je parfaire, pardon, l'équilibre tout à l'heure. Voilà, pour avoir quelque chose de parfait, mais comme vous voyez, on est à 4,2 à peu près partout, avec un faible écart maintenant entre nos 13 éléments. Donc c'est parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est vérifier que ces 13 éléments restent globalement équilibrés lorsque la batterie est sollicitée, donc en décharge, et je vais utiliser pour ça un banc de décharge. Voilà, donc je tire actuellement à peu près 1000 watts sur la batterie, donc 18 ampères, et nos éléments restent équilibrés, voilà, on n'a qu'un écart de moins de 0,1 volt entre chacun des éléments, malgré qu'on tire de l'intensité dessus. Donc, on est bon. Voilà, nos éléments sont sains et notre batterie, en tout cas la partie cellule, est opérationnelle. Maintenant, on va devoir remettre notre câble d'équilibrage sur le BMS et voir si le BMS fonctionne bien. Alors, impossible de charger la batterie et en décharge, la batterie coupe. Donc, le BMS est également défectueux, je pense qu'il avait pris un coup au niveau du port de charge et ça l'a grillé. Donc on va devoir remplacer le BMS. Voici un BMS, voilà, 13S, 20 A, ce qui nous donne à peu près jusqu'à voilà, 1000 watts de puissance, un vélo 750 watts, donc on est bon, c'est un BMS bien dimensionné. Nous allons donc dessouder. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, je ne vais pas le détailler beaucoup plus dans cette vidéo, j'ai fait une vidéo spécifique au remplacement de BMS où j'explique bien chaque connectique, etc. à quoi ça sert. Donc voilà, je vais dessouder l'ancien, je vais ressouder le nouveau, et puis on fera un test après. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller consulter la vidéo. Ça y est, le BMS est remplacé. J'ai 53,86 volts en sortie de la batterie. La batterie charge bien, comme vous pouvez voir sur l'afficheur, le témoin rouge. Voilà, donc on est bon, c'est parfait. On va pouvoir du coup réisoler l'ensemble, remettre tous les isolants qu'on a enlevés, notamment au niveau des petites pattes. L'isolant global autour de la batterie, remettre la gaine par au-dessus, et puis on va pouvoir remettre toute la batterie dans la coque bah, de la batterie. Voilà, la batterie a été entièrement rééquilibrée, réisolée, refermée, donc je l'ai remise à sa place dans le cadre du vélo. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire
laisser refermer le vélo et puis faire l'essai, vérifier que tout fonctionne bien une fois sur le vélo. L'emplacement est refermé. C'est parfait. Notre vélo s'allume. Impeccable. Batterie à 100%. Pas de message erreur, quoi que ce soit. Notre vélo est maintenant prêt à l'emploi. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Eh bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre un j'aime et puis à la partager. Et si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour ça. Et si vous avez des besoins de réparation de batterie, eh bien, n'hésitez pas à me solliciter par Instagram ou par mail. Les liens sont en description de vidéo et de chaîne. Et puis, ceci étant dit, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.